Malade, oui, mais avec des droits à garantir en cas d'hospitalisation. Ces droits, résumés en 11 points, sont consignés dans un document, la charte du patient hospitalisé. Le document est peu diffusé et les droits mal connus. Je ne connais pas ce médicament qui s'appelle Charlouzard, je ne le connais pas. Je ne connais pas la charte du patient hospitalisé. Je ne maîtrise pas parce que moi je suis aide-soignante. La charte du patient hospitalisé a pour objectif d'informer les malades et leurs proches sur leurs droits tels qu'affirmés par les lois en vigueur. Le premier point concerne l'accès aux soins. Il stipule entre autres qu'en cas d'urgence, l'établissement qui ne peut accueillir un patient doit mettre tout en œuvre pour qu'il soit reçu dans un autre établissement sanitaire. Le service public hospitalier est accessible à tous et en particulier aux personnes démunies. Une fois je suis allée à l'hôpital, et quand je suis arrivée, j'ai demandé à voir un médecin parce que j'avais un palu. Maintenant, à la caisse, ils m'ont dit non, qu'il faut que je verse. Je dois payer d'abord avant d'être reçue. Les trois points suivants de la charte garantissent aux patients le droit d'accéder directement aux informations de santé les concernant et de participer aux choix thérapeutiques. Il y a des médicaments que je ne peux pas prendre. Bon, j'ai dit au médecin que je ne peux pas prendre. Je veux qu'on me laisse le choix de choisir mon traitement. Je ne veux pas qu'on m'impose. Aucun acte médical ou de recherche biomédicale ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du malade ou de la personne de confiance désignée. La personne hospitalisée doit être traitée avec égard. Ses croyances religieuses, son intimité et sa tranquillité doivent être préservées. Aussi, le respect de la vie privée lui assure la confidentialité de ses informations personnelles, médicales et sociales. Si un parent proche demande à connaître le diagnostic du malade, par là on le met en contact avec le médecin traitant. Voilà, par là c'est le médecin qui peut dire aux parents que votre frère souffre de telle affection. À part ça, tous les restes là, on ne peut pas leur donner. Le dernier point de la charte autorise le patient hospitalisé à donner son avis sur les soins et l'accueil reçus et à demander réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. La charte du patient hospitalisé est applicable aussi bien aux services hospitaliers publics qu'aux cliniques et établissements privés.